Les 5 actus VE du 17 août 2023 sur Electiv, il y en a eu 5 autres sur Teslative. Le lien dans la description, comme d'habitude, pour vous abonner. On a Catel qui nous ressort une nouvelle batterie révolutionnaire, apparemment. Une batterie LFP, cette fois, qui se recharge très très vite. Ils évoquent 10 minutes pour 400 km CLTC, donc cycle chinois. Ce qui fait 10 minutes pour 300 et quelques kilomètres chez nous. C'est déjà pas mal, remarque, pour une LFP. Faraday Future livre enfin son premier véhicule électrique après des années de galère financière. Véhicule à 300 000 euros, hein, 300 000 dollars. Finition très très haute, toutes options. Donc ils en ont prévu 300. À voir si les 300 seront livrés dans des délais assez raisonnables. Jaguar va revoir totalement sa gamme électrique. La IPS stoppée dès 2025 pour faire place à une berline et sûrement dotée SUV du coup. Avec une nouvelle plateforme, GM va prolonger la production des Chevrolet Bolt EV plus longtemps que prévu. Plutôt une bonne nouvelle pour ce véhicule abordable. Et pour terminer, Stellantis, pour baisser le prix de ses voitures, Tavares veut réduire les vacances de ses employés. C'est pas cool ça, Carlos. À demain.